Second reportage, les états modifiés de conscience. On vit tout ça quand on est dans la lune, plongé dans une rêverie ou qu'on a la tête ailleurs. C'est différent de la veille, de l'état vigile, comme disent les neurologues. Mais le cerveau peut nous conduire encore beaucoup plus loin pour déboucher sur des phénomènes étranges comme la décorporation ou les expériences de mort imminente. Selon plusieurs études, 10% de la population vivrait au moins une fois dans sa vie ce genre d'expérience hors du commun. Vanessa Guetelan et Jean-Daniel Bonnenbloust nous emmènent aux frontières de la science. Cette année, la Ligue suisse pour le cerveau décerne son prix de la recherche à Lukas Heinrich et Silvio Junta, dont l'étude explique les décorporations. Les chercheurs ont même réussi à provoquer artificiellement chez des sujets des sortes d'expériences extracorporelles. C'est en fait une découverte fortuite. C'était le professeur Blanke qui a fait chez des patients épileptiques avec des électrodes intracrâniennes qui a fait une stimulation électrique du cortex. Et lors de cette stimulation, d'un coup, on a stimulé une zone apparemment qui a provoqué cette sensation de décorporation. D'un coup, la patiente a dit « Oui, c'est bizarre, j'ai des sensations vertigineuses, j'ai sensation de flotter. » Et d'un coup, elle dit que « Oui, j'ai aussi sensation de, en fait, de voir tout d'une perspective extracorporelle, que j'ai la sensation de flotter juste au plafond et de voir tout au-dessous de moi. » Open the eyes. Ouvrez les yeux. Ça fait partir en arrière. Close the eyes. Fermez les yeux. Open the eyes. Ouvrez les yeux de nouveau. So you're compensating. Vous compensez avec votre corps ce que vous voyez. C'est un mécanisme d'adaptation. Il y a un laps de temps pendant lequel votre corps doit s'accorder, contrebalancer. C'est pourquoi vous partez en avant. L'autre lauréat du prix de la Ligue suisse pour le cerveau, c'est lui. Silvio Junta. Chercheur à l'EPFL, il a conjointement mené le volet expérimental visant à expliquer les décorporations. Placés dans diverses situations, des sujets doivent accomplir des tâches qui mettent de la confusion dans leur perception, ce qui revient à tromper leur cerveau. L'équipe de chercheurs pense ainsi avoir trouvé une explication à l'étrange phénomène. La sensation de sortir de son corps ressemblerait à une sorte d'hallucination. Dans l'hallucination, les gens ont le sentiment que ce qu'ils voient est vraiment la réalité. Alors que dans l'expérience de sortie de corps, ils ont plutôt l'impression d'un dédoublement de la réalité, par exemple. Y a-t-il d'autres aspects du phénomène de décorporation que vous n'expliquez pas aujourd'hui? Bien sûr, c'est pourquoi on travaille à l'élaboration d'un modèle théorique qui nous permettra de comprendre ce qu'il se passe pendant les sorties de corps. Et également dans le but de développer un protocole thérapeutique. Les questions derrière ces recherches sont nombreuses. Qu'est-ce que la conscience? Où se niche-t-elle? Et comment expliquer toute la richesse d'expériences multiples vécues par des millions de personnes? Je sais que lorsque je suis en état de décorporation, la conscience est tout autre. Plutôt qu'une conscience physique avec un point de vue, c'est une conscience beaucoup plus globale. Nicolas Fraisse est doté d'une faculté pour le moins étonnante. Quotidiennement, il sort de son corps. Un phénomène communément appelé OBE, acronyme anglais pour Out of Body Experience. La première dont je me souviens réellement, ça devait être à l'âge de 7 ans à peu près. Souvent, lorsque j'étais à l'école sur ma chaise et lorsque le cours ne m'intéressait pas, je partais, je me retrouvais chez mes parents ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Je pensais qu'à l'époque, que tout le monde vivait ce genre de choses. Dès qu'une personne s'ennuyait, elle partait comme ça, voir ce qui l'intéressait et pouvait revenir à n'importe quel moment. Tous les jours, au moment de l'endormissement, il y a une sortie de corps qui se fait. Comme si quelque chose
on va dire, sortait légèrement. Et à ce moment-là, il y a une sorte de, d'effet tourbillon. C'est pas quelque chose de visuel, mais c'est un peu comme si on se sent tourbillonné. Et après, il y a une espèce de flash lumineux. Et à ce moment-là, je me retrouve, ma conscience, on va dire, se retrouve à un endroit différent. Et vous voyez vraiment les choses ou bien c'est juste une rêverie ? Moi, je dirais que je vois réellement les choses. Et c'est même plus subtil que ça, parce que c'est pas vraiment une... pour moi, c'est pas vraiment une vision comme cette vision que j'ai actuellement en tant que corps, mais c'est plus une vision globale, c'est-à-dire que je suis la pièce, en fait, où je suis la scène que je suis en train d'observer. C'est-à-dire que je suis autant le plafond que le sol. Et dans cet état-là, j'ai conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qui est présent dans la pièce ou dans la scène. C'est seulement au moment où je réintègre mon corps que mon cerveau ou mon mental se refait une représentation beaucoup plus facile à assimiler en mettant les choses comme si je les avais eues d'un point de vue physique. Nicolas n'est pas le seul à vivre ce genre d'expérience. Les sorties de corps ne sont qu'une des multiples facettes des états modifiés de conscience. La décorporation, c'est aussi la première étape d'un phénomène humain connu depuis l'Antiquité. L'expérience de mort imminente, en anglais Near Death Experience, NDE. En général, ceux qui l'ont vécu racontent être sortis de leur corps, aspirés dans un tunnel noir vers une lumière éclatante. Ils gardent le souvenir rassurant d'un véritable bain d'amour et d'avoir été accueillis par des êtres bienveillants ou des proches défunts. Ces témoins ont vu leur vie défiler devant eux et parfois ils ont été confrontés à un choix. Franchir ou pas une limite, sachant qu'il n'y aurait pas de retour possible. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ici c'est vraiment un lieu où on partage un vécu. Personne va essayer de vous expliquer ce que vous avez vécu ou ce qui vous est arrivé. On essaye vraiment de rester au plus près du vécu, des sensations, des sentiments, de tout ce qui peut en découler, de ce que ça peut impliquer dans la vie de chacun. À Genève, le centre Noésis est un des rares lieux où l'on parle ouvertement de ce genre de choses. Je suis tombée dans un fossé en contrebas. C'est dur d'y repasser. Et donc, j'ai continué en fait à faire des malaises et je suis rentrée en hypothermie. Et donc, je suis descendue très bas. Je crois que j'étais en train de lâcher puisque je revenais à moi et je regardais le paysage. Je n'avais pas la force d'aller trouver quelqu'un pour m'aider. Et en même temps, j'ai pas vu la grande lumière arriver, mais c'était plein de lumière. Et j'ai eu l'impression que c'était des enfants qui m'entouraient. Il n'y avait que de la joie, de l'amour, comme malheureusement on n'en trouve pas ici. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Petit à petit, j'ai vu ma famille défiler. Je me suis dit, bon, je leur dis au revoir, quoi. Ça y est, je m'en vais. Et j'étais bien. J'avais presque envie de partir. Ça paraît incroyable. Et en fait, c'est ma fille qui s'est avancée dans ma vision et qui a tendu la main et qui a dit « Maman » sur un ton debout. Et voilà, c'était... J'ai pas osé en parler parce qu'on se demande si on n'est pas un peu taré. Quand on est dans cette dimension de mort imminente, c'est dans cette lumière, c'est que de la paix. On ressent que de la paix et de l'amour. Et je crois que vraiment toutes les expériences que j'ai pu entendre, on a ça en commun, c'est on veut pas revenir. Les expériences de mort imminente, on en parle depuis une trentaine d'années. Pendant longtemps, c'est des phénomènes qui ont été niés même par les milieux médicaux. Maintenant, il y a tellement de témoignages que c'est un phénomène qui est accepté. Donc les recherches commencent à être menées sur ce phénomène-là. Il y avait quelque chose de totalement différent qui tout d'un coup s'ouvrait à moi comme une présence. Et je rentrais dedans, puis c'était un immense théâtre où il y avait plein de choses qui venaient. Depuis la création du centre en 1999, Sylvie Détiola et son collègue Claude-Charles Fourier ont recueilli des centaines de témoignages. L'équipe a parallèlement décidé de mener une recherche sur les décorporations. J'ai pas lutté, j'ai lâché, puis là, j'ai juste entendu « c'est bon, il va rien t'arriver ». Le grand problème avec les états modifiés de conscience, c'est que pour la plupart, ils sont totalement indistinguables
de fantasmes, d'hallucinations ou même de rêves, puisque ce sont des expériences totalement subjectives. L'intérêt de l'aube, enfin, ce qu'on appelle la décorporation ou out-of-body experience en anglais, c'est justement que c'est le seul état sur lequel on peut faire des vérifications objectives, d'où l'intérêt de faire des recherches sur ces phénomènes. Pour une fois, et j'ai trouvé ça génial, c'est que je me suis retrouvé vraiment au-dessus de mon corps et j'avais toujours un doute sur est-ce que je pouvais rêver, quoi que ce soit. Mais... Pour Noésis, Nicolas est aussi un sujet d'étude, car il dit être doté d'une faculté de vision à distance, une sorte de micro-sortie de corps qu'il peut provoquer à volonté. Je me sentais collé au plafond avec vraiment la sensation d'être... Alors avec Nicolas, on essaye justement de vérifier, on va dire, la réalité des perceptions qu'il a au cours de ces phénomènes de décorporation. Le protocole qu'on a monté, donc, c'est un protocole en double aveugle. On demande à Nicolas de se mettre dans une pièce, d'essayer de se mettre dans cet état de décorporation, de changer de lieu, et dans cet autre lieu, de voir quelque chose que nous-mêmes, nous ne connaissons pas au moment de l'expérience, et de rapporter cette information et de nous la communiquer à son retour. Et ça marche ? Et ça marche. On a eu plusieurs expériences qui ont été tout à fait concluantes. Maintenant, pour être tout à fait honnête, on est obligé de dire que d'un point de vue scientifique, ça ne constitue pas encore une preuve irréfutable, puisqu'il faudrait pouvoir répéter ce résultat un certain nombre de fois, ce qui nous permettrait de faire des calculs de probabilité, donc d'exclure totalement le hasard, voilà, pour que ça fasse vraiment office de preuve. Mais disons que pour nous, ça nous paraît difficile d'expliquer ces résultats par le hasard actuellement. Depuis les progrès de la médecine de réanimation, les témoignages se multiplient. 20% des gens ayant survécu à un arrêt cardiaque auraient fait une expérience de mort imminente. L'absence de socle scientifique pour expliquer tous ces phénomènes fait que ceux qui les vivent sont nombreux à se taire par peur de l'incompréhension et du rejet, même si dans certains cas on a fini par trouver une explication. Par exemple, la sensation de déjà-vu quand on a l'impression de revivre une même situation. On pense maintenant qu'il s'agit d'un léger décalage du traitement de l'information entre les deux hémisphères du cerveau. Beaucoup plus troublante, l'expérience dont nous avons été témoins et pour laquelle il n'y a à ce jour aucune explication rationnelle. Il y en aura suffisamment de chocolat, c'est bon. Merci. Tu veux le pack aussi ? Ouais. Merci. Philippe, comment c'est pour vous de vivre à côté de quelqu'un comme Nicolas ? C'est particulier parce que on est forcément, comment dire, très normal à côté de lui. C'est difficile de nier le fait qu'il peut y sortir de son corps pour aller voir ce qui se passe. Souvent, il aime pas trop, mais je vais lui demander, par exemple, on prend le tramway, je vais lui dire, dis-moi à la station suivante de tramway, tu me dis le nombre de personnes qui attendent le tramway, et puis tu m'en décris une particulièrement. Donc il va aller voir, et puis il revient, il me dit, il y a trois personnes, dont une femme un peu forte, avec un t-shirt rouge. On arrive avec le tramway, y a trois personnes, dont une femme un peu forte avec le t-shirt rouge. Donc là, c'est pas du hasard, c'est forcément qu'il a vu. Donc ça, c'est vrai que c'est assez bluffant. Ouais. Vous avez l'impression que si je vous demandais de partir, là maintenant, vous pourriez éventuellement le faire. Je pense que si j'ai une notion de... si j'ai besoin de savoir quelque chose, je peux tenter. Par exemple, là, on s'approche de midi, on peut avoir faim, on peut se dire, tiens, on peut avoir besoin de quelque chose à boulanger. À la boulangerie ? Ouais. Et par exemple, vous voulez essayer d'avoir quoi ? Je sais pas. Aller à la boulangerie, voir si vous voyez quelque chose d'intéressant, qu'on puisse éventuellement... Qu'on puisse manger, voir, d'accord. Voir, ouais. Ou s'il y a quelqu'un, ou des gens, ou je sais pas. S'il y a des gens, oui, on peut vérifier s'il y a des gens, ouais. Alors... Peu importe, à la boulangerie, ce qui se passe. Faudra aller vérifier après. Qu'est-ce qu'on pourrait voir à la boulangerie qui pourrait être intéressant et qui ne fluctuera pas trop
entre le temps. Alors. Nicolas ne savait pas que nous l'inviterions à projeter sa conscience dans la boulangerie. Nous avons demandé à un complice d'être présent sur les lieux. À notre signal, ce dernier prendra des photos pour voir si la vision de Nicolas correspond bien à la réalité. Ça me tire l'œil, je sais pas pourquoi. Alors, c'est difficile à trouver un élément qui soit pertinent parce que bon, cette boulangerie je la connais donc. Du coup, il y avait trois personnes à l'intérieur. Mais voilà, après là, ils seront déjà partis peut-être. Il y avait, donc au niveau de l'entrée du laboratoire, de la cuisine avec le four à pain, il y avait en travers du passage une caisse jaune à pain qui devait être autre comme ça, mais couchée sur le côté avec, enfin pas vraiment... totalement par terre, il y avait une espèce de seau blanc peut-être, quelque chose de blanc en dessous. Hormis ça, quoi dire d'autre? Il y avait la vendeuse qui était là, que je connais, donc est-ce que c'est une vision à distance ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que elle avait une encre de bateau au niveau de sa boucle d'oreille. C'est quelque chose que j'avais pas vu avant chez elle, donc peut-être ça a vérifié. Mais un tatouage ou bien... Non, une sorte de, je sais pas, je dirais comme une grosse boucle d'oreille, comme un bouton, mais avec une, enfin ouais, avec une encre de bateau. Qui, ouais, voilà. Cette expérience ne constitue pas une preuve scientifique. Il est toutefois troublant de savoir que Nicolas ne pouvait pas connaître les boucles d'oreilles de la vendeuse, car cette dernière nous a affirmé qu'elle venait de les acquérir. La véritable démarche scientifique pour nous, c'est d'aller essayer de vérifier cette réalité, savoir de pouvoir trancher une fois définitivement entre une hypothèse hallucinatoire qui est défendue par la majorité des représentants des neurosciences actuellement, et puis une hypothèse qui mettrait en jeu une capacité encore inconnue de la conscience. En Belgique, des neurologues étudient le phénomène de mort imminente sous un angle différent. Ici, avec l'équipe à l'Université de Liège, on essaye de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau après un coma. Donc, dans ce cadre-là, je pense que les expériences de mort imminente sont malheureusement... ils ont très longtemps pas été assez pris au sérieux par la communauté scientifique, médicale, alors que je pense que c'est une voie extraordinaire pour mieux comprendre les différentes dimensions de ces états altérés de conscience. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de tout comprendre sur vous, sur l'univers, le sens de la vie? Oui, j'avais l'impression d'être fondu dans quelque chose de différent, oui. Est-ce que vous avez vu ou vous êtes senti entouré par une lumière brillante? C'est une lumière pâle au départ, un peu vaporeuse, ouais. Et puis elle s'est ouverte et elle est devenue très très éclairante, mais tout en n'étant pas aveuglante non plus, enfin. Okay. Et en plus, il y avait un questionnement qui venait aussi, est-ce que tu es prêt à passer de l'autre côté? Est-ce que tu as fait quelque chose de bien dans ta vie, avec comme un examen de conscience, enfin, qui se passait très gentiment, sans aucune idée de punition, rien du tout, enfin simplement, c'était dans la logique. Ce questionnaire en usage depuis 1983 est appelé échelle de Grayson. 32 questions qui permettent d'établir si un sujet a vraiment vécu une expérience de mort imminente. Cela vous revient via des mots? Non, pas du tout. Pas du tout?
La clé, je crois, c'est d'obtenir le plus de gens possible, des gens qui veulent exprimer ce qu'ils ont vécu dans tous les détails, d'avoir une analyse du récit qui est objective et aussi qui peut être quantifiable, de pouvoir trouver ce que les gens racontent, de pouvoir bâtir une échelle qui sera plus riche, qui reprendra plus de détails, et ensuite d'aller explorer les corrélats cérébraux qui pourraient être liés aux différentes dimensions de ces expériences-là. Vous allez m'asseoir comme ça, en face de vous? Vous allez mettre des bigoudis comme ça? Donc ici, ça c'est le casque électroencéphalogramme, donc qui contient 256 électrodes. Chacune de ces électrodes va enregistrer l'activité électrique de vos neurones, d'accord? Pendant que vous êtes au repos. Donc je vais mettre le casque. On va trouver des neurones, vous croyez? Des neurones, il y en a toujours. Corréler chaque étape du phénomène de mort imminente avec une zone spécifique du cerveau. Voilà ce qui intéresse les neurologues. Ça fait iguane un peu, comme ça. Donc on va y aller. Je me souviens de ce qui m'est arrivé, encore comme si ça venait de m'arriver, quoi. Après 36 ans, c'est quand même incroyable aussi, enfin, ça. C'est un accident de plongée qui a provoqué l'expérience de mort imminente de Monsieur Herman. Fermez bien les yeux. À un moment donné, j'ai manqué d'air. C'est-à-dire que ma bouteille commençait à se vider et j'ai commencé à suffoquer. Et j'ai commencé à prendre des tasses. Et j'ai commencé à me dire, je vais me noyer si on ne me sauve pas. J'ai lutté longtemps, je me souviens très bien que j'ai lutté pour essayer d'avoir encore de l'air. Il ne venait plus. J'ai bu de l'eau pour finir. J'ai commencé à me remplir. J'ai commencé à me noyer vraiment. Et à partir du moment où j'ai dans mon esprit, je pense que c'est dans mon esprit, ce n'est pas une décision que j'ai prise, mais c'est une acceptation qui s'est faite. Je me suis dit, ben oui, tout le monde doit y passer un jour. Aujourd'hui, c'est pour moi. C'est ce moment-là. Je me noie en Bretagne. Eh bien, là, tout a commencé à ce moment-là. À partir du moment où j'ai eu cette acceptation, si vous voulez, de mourir, dans notre esprit, c'est ça, quoi. Hein. Quand on se noie, on se dit, bon, ben, il n'y a plus rien à faire. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise quand je n'ai plus lutté. Et alors, à ce moment-là, j'ai senti que je partais. J'ai été comme sucé hors de mon corps physique. Je ne sais pas vous décrire mieux. C'est vraiment une impression de succion totale. Et alors, j'ai filé à toute vitesse dans un couloir noir, mais noir. Mais alors, j'allais très, très vite. Et j'entendais autour de moi des bruits de voix qui chuchotaient. Qui disait des choses. Mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je ne comprenais pas. Et tout au bout, il y avait une grande clarté qui n'était pas du tout effrayante, qui n'était pas aveuglante non plus, et qui semblait me dire sans la parole. Comment est-ce que je peux dire ce langage-là? C'est un langage qui est inclus en vous directement. Comme de la télépathie, si vous voulez. Donc ce sont des ondes qui passent et qui vous disent « viens vers moi ». Et à un moment donné, il y a eu une limite à franchir. Et là, j'ai senti que si je franchissais cette limite, il n'y avait plus de retour possible, quoi. Durant cette expérience, quand vous arrivez vers cette lumière, que vous communiquez par télépathie, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous entendez? On me rassure. On me demande de ne pas avoir peur. C'est ce que je ressens. Et je n'ai pas conscience d'avoir rêvé du tout. Comme je n'ai pas conscience d'avoir reçu une quelconque impulsion de la part de mon cerveau. Non, pour moi, j'étais ailleurs, tout à fait. Dans une autre dimension, je n'étais plus sur la planète. L'examen de Monsieur Herman vise à mesurer le métabolisme de son cerveau. Les couleurs représentent les différents niveaux de sa consommation en énergie. Les analyses de sujets ayant vécu une expérience de mort imminente sont ensuite comparées à celles de sujets dits normaux. C'est à ce jour la seule manière de procéder, car il est impossible de faire passer ce type d'examen à une personne en train de vivre une expérience de mort imminente. Stephen Lorays en a dressé une cartographie cérébrale. L'expérience de quitter son corps est un dysfonctionnement, là, du côté droit du cerveau. La présence, de sentir la présence d'un autre... C'est de l'autre côté. La sensation de bien-être qu'on entend aussi très souvent, l'absence de douleur, c'est une région ici,
d'ailleurs qu'on a bien étudié dans nos études sur l'hypnose, l'état hypnotique. La notion de voir le tunnel, la lumière centrale et une région là, derrière dans le cerveau. Voir le film de sa vie, une région qu'on dit temporale, une autre région près de l'hippocampe qui est très important pour la mémoire. Et donc là, on va vraiment tester cette hypothèse que différentes dimensions de l'expérience de mort imminente peuvent être corrélées avec un dysfonctionnement, une activité cérébrale spécifique. La chose qui diffère et qui me fait dire que ce ne sont pas des hallucinations, c'est les vérifications. Si ça se vérifie dans le physique, c'est que j'ai pas halluciné et que j'ai véritablement vu quelque chose. Ou alors, c'est peut-être une forme de divination ou je ne sais quoi d'autre. Mais je pense que on ne peut pas expliquer ça que par les hallucinations. Il y a forcément quelque chose d'autre qui se passe qu'une hallucination. Et c'est quoi ce quelque chose d'autre? Eh bien, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. En 2001, le cardiologue hollandais Pien van Lommel remet en question l'approche des neurosciences. Il émet une hypothèse qui lui vaut un article remarqué dans la revue scientifique The Lancet. Son postulat, la conscience n'est pas produite par le cerveau. On a un faisceau d'observations assez conséquentes qui pourrait très bien être expliqué par un autre modèle de la conscience, à savoir que la conscience serait de nature non locale, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas liée à un point de l'espace et du temps, que la conscience serait partout, mais qu'en fait le cerveau fonctionnerait un petit peu à la manière d'un récepteur, une sorte d'interface qui nous permettait de faire l'expérience de la conscience dans le corps. Pour moi, vous êtes votre cerveau. Et donc, la problématique philosophique, comme elle était présentée avec une pensée dualiste, qui a la conscience, l'âme et le cerveau, et puis une pensée plus moniste et plus qui est la mienne, physicaliste, on va essayer de comprendre ses propriétés physiques de ce cerveau, qui est vrai. Très compliqué. Il y a centaines de milliards de neurones, des millions de milliards de connexions, et tout ça dans une soupe de neurotransmetteurs où on est loin d'avoir tout compris. Mais quand même, il faut admettre que ces dernières années, grâce à ces nouvelles technologies, on a fait quand même des grands progrès. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai raison, mais au moins on essaye de confronter nos hypothèses avec des mesures et d'avancer. Si c'est vraiment un phénomène qui vient du cerveau, ben, ok. Mais ça ne me convaincra pas encore que je ne partirai pas avec l'idée qu'on a une seule existence. C'est pas possible. C'est quand même aberrant de penser ça. Vous naissez pour une seule vie. C'est un peu court, non? Je sais pas. Quelle que soit la manière dont on tente d'expliquer les états modifiés de conscience, tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le fait que les sorties de corps ou les expériences de mort imminente sont des phénomènes universels, indépendants de la culture, de la religion ou des croyances. C'est juste la façon de les accueillir qui diffère. Ailleurs, on trouve ça normal. Ici, ça nous angoisse un peu et on attend de la science qu'elle nous apaise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nos partenaires de la Fondation HON vous proposent des liens et encore plus d'infos sur santéromande.ch ainsi que sur rts.ch/santé. C'est là aussi que se trouvent nos reportages en libre service et gratuits au cas où vous auriez manqué une édition. Toute l'équipe de l'émission Santé vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci de nous avoir suivis.